Bonjour, n'hésitez pas à vous abonner à Mandarin TV YouTube, puis cliquez sur la clochette pour recevoir de nouvelles émissions. 大家好，敬请订阅并点击小铃铛。据美国彭博社消息，美国商会在当地时间17日发布的一份报告中称，如果美国公司将在华外国直接投资减少一半，美国国内生产总值将一次性遭受高达5000亿美元的损失。此外，如果美国对所有双向贸易征收25%的关税，到2025年，这将使美国 GDP 每年缩水1900亿美元。Selon Bloomberg, la Chambre de commerce et d'industrie américaine a déclaré dans un rapport publié le 17 février que si les entreprises américaines réduisaient de moitié leurs investissements directs en Chine, la croissance américaine subirait une perte pouvant atteindre 500 milliards de dollars. En outre, si les États-Unis imposaient un tarif douanier de 25% sur tous les échanges bilatéraux, leur croissance subirait une perte de 190 milliards de dollars par an d'ici 2025.